Cette vidéo vous est présentée par Salut les pratiquants d'arts martiaux, c'est Lionel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis sur la chaîne René Martial avec Julien pour la technique du sensei, le waza du sensei. On va travailler simplement. Il se met en camaré, il vient m'aiguiri. Voilà. Je vais venir ici, d'accord? On connaît tous Guillain-Barré. Tiens, vas-y, change de jambe. On connaît tous Guillain-Barré. Alors, on a celui qui met un petit peu de muscle dedans. Donc, je suis là et je viens là. Mais bon, s'il a des tibias un petit peu renforcés, ben, je vais avoir un petit peu de mal. Donc, ce qui est quand même plus intéressant, c'est de pouvoir les accompagner. Donc, de venir à la source du mouvement quand il vient et de venir laisser passer. J'enlève mon mouvement, je viens ici. Pour pouvoir venir ici. Je vais à la source du mouvement et après je redirige le mouvement. Pour pouvoir l'amener dans une déstructuration. Je viens et j'envoie. Maintenant, ce qui est intéressant et que les katas nous apprennent, c'est que on peut le faire à l'envers. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Si vous ne connaissez pas le kata, c'est pas grave. On vient ici. Ça me sert à deux choses. D'une part, pour pouvoir saisir, mais aussi pour éviter qu'il puisse se retourner et de contrôler son épaule. Après, si je peux rentrer, venir cheville, venir frapper, je peux faire tout ce que je veux. Les possibilités sont énormes. Pourquoi? Parce que je viens, et je peux passer ici. Donc, vous pouvez faire plein de choses. Prenez une base et servez-vous-en. Et pas juste le mouvement et je reste dessus. C'est une base. On prend une base et après on applique nos propres mouvements. Allez, go! C'est parti! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça lui fera super plaisir. Vous avez des questions, des commentaires, c'est juste en dessous. À bientôt et n'oubliez pas de vous entraîner. Ciao.